Kawa Kawa Shitara Keika Shite Bakari Sore mo iye mo de Tata Kimi ga oshiete kureta Damo o kowa kunai Donna fuji yute de mo Shiwase wa tsukameru dakara. Ah mais vous êtes là les amis, et salut à tous, et bienvenue sur un nouvel épisode d'Olicube. Salut à tous les amis. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ma petite intro un petit peu rigolote, hein, donc sur une musique de Myune, hein, donc qui est une chanteuse qui reprend par exemple beaucoup de Final Fantasy, de choses comme ça, et qui chante aussi en japonais. Ah, et je me suis dit, allez tiens, c'est le thème du Japon sur Olicube, allez on va se taper un petit délire, et donc du coup je me suis amusé à chanter un petit peu derrière elle, évidemment. Il n'y a pas de comparaison, hein. Elle c'est une chanteuse pro et moi je suis très nul. Mais j'ai trouvé ça rigolo de vous faire une petite intro comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah déjà dans un premier temps, vous voyez, je masque un petit peu le palace en construction. Parce que ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous mettre des petits passages choisis, hein, donc de l'avancée du palace que j'ai fait en live. Donc je me suis dit mince, ça serait bizarre que d'un seul coup au niveau des épisodes vous arriviez et puis qu'il y a des murs qui soient faits sans explication ni quoi. En plus il y a des petits passages qui sont un petit peu sympathiques et rigolos. Donc je vous laisse avec ces petits passages là et on se retrouve juste après pour la suite des opérations. Allez, à tout de suite les amis. Alors attends, si je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et là, une barre devant. Comme ça, je pourrais faire mes arches de 3 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 devant. On est bon. Pauvre Sari. Qu'est-ce que là? Il y a Sari qui est là. Et puis, voilà. Je pars le 27 juillet, la veille de mon manif. La veille de mon anniversaire. Je pars le 27 et je vais rentrer vers le 8 août à peu près. Alors attends, il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Super, parce qu'il me faut absolument un nombre impair ici. Donc combien j'en ai déjà? 7. Oh purée, ça va être trop grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Là, j'en ai que 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, il y en a 7. Oh non, ça va être trop grand. Je vais déborder là-bas déjà. Le bâtiment central est beaucoup plus grand que cette tour-là. Bon, je vais en mettre un peu moins. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5 arches. Eh bien, écoutez, ça fera bien l'affaire. Ah, quoi que j'ai mon grand escalier qui va devenir devant. Zut. Bon, je suis obligé d'en rajouter une. Normalement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arches. Abusé. Je vais en mettre que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Purée, de toute façon je vois venir en gros que j'aurai jamais assez de stainette clay. Parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, ce que j'ai, la tour qui est là, ça, on n'est pas encore au milieu du palace. En fait, la tour centrale, elle va être à peu près, elle va être ici. La grosse bâtisse centrale, elle va être là. LOL. Je me fais rire. Alors. Ça, et puis ça, c'est vraiment le rez-de-chaussée qu'on voit à peine sur l'image.
qu'on voit à peine sur l'image. Ça me fait rire d'avance en fait. Hop! Donc on va remonter 3 kilos par ici. Alors, de toute façon, il faut que je monte jusqu'à cet étage-là. Il faut que je monte jusqu'à là. Allez. Ok, on va faire simple. On va pas se prendre le chou. De toute façon, c'est surtout le haut du bâtiment qui sera beaucoup plus détaillé, etc. Le bas, c'est volontairement facile. Je rajouterai juste des barrières en beurre sur les côtés. Parce qu'en fait, tout est ouvert à cet endroit-là. Non, pas avec la fortune. Je suis mort de rire. Voilà, attention. Hop, un ping. Hop là. Voilà. Pareil de l'autre côté ici. Alors, il y a sorcière qui relance, donc je vais le finir par le dire. Tu peux dire à Roi Louis, s'il te plaît, Roi Louis, attends, il y a le chat qui défile en même temps. Omni, soit ceux qui te demandent quel est ton pack de texture. Tu dois les noyer dans la confiture. Le site, tu sais qu'elle fait des comptes et. Mais oui, je les ai déjà lus, ouais, elle m'a emmené sur son forum, je trouvais ça pas mal. Ah, c'est marrant. Allez, boum, parce que YOLO. En fait, ce que j'aime bien dans la musique celtique, c'est que ça me rappelle beaucoup la musique bretonne, hein, qu'on est complètement inspiré, forcément. Donc voilà, quoi, ça me rappelle aussi une partie de mon enfance. Moi, j'ai été élevé au biniou, moi. Ah, je te jure, j'ai une grand-mère. J'ai une grand-mère qui était bigoudaine, mais hey. Tiens, tu vois la pub pour Tipiak pirate. Oui. Voilà, oui. Bah tu vois ma grand-mère en, sauf que ma grand-mère était quand même plus costaud. Elle devait faire un bon 100 et quelques kilos. Enfin, pas jeune, mais pas quand elle était jeune, mais bon après. Ouais. Et donc du coup, je me rappelle, on avait été une first nose, et puis tu sais, il y avait une nana relativement jeune déguisée, bah comme elle, en bigouden quoi. Puis ma grand-mère, elle va la voir, elle commence à lui parler en breton. Et puis la nana, elle la regarde, elle fait ah désolé, je parle pas breton. Oh là là, ma grand-mère, elle a tapé le scandale en disant quoi, mais imposteur et tout, elle commence à prendre le parapluie, à lui taper dessus avec le parapluie, bon pas fort mais. Calme-toi mamie, calme-toi bébé. Ça me fait penser un petit peu à la musique, tu sais, tu la connais. Les bretons, c'est comme les cochons. c'est pas ça normalement, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. Plus ça devient vieux, plus ça devient plus ça bête. Devient bête. 1, 2, 3, les bretons, 4, c'est comme les cochons. 5. C'est pas les bretons. C'est ouais, les hommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6ème. Ok. Bon, alors ça, c'est bon pour un premier jet. Donc, le gros bâtiment, on le fera plus tard. Oh purée, ça va être énorme. Oh, ça va être juste énorme. Je rigole d'avance. Alors, du coup, j'ai fait dépasser là. Ouais. Alex Geek, juste pour répondre, c'est moi, Miss Dunaoui. Comment je vais me la jouer? C'est la fille du même belle. C'est la fille du même belle. Ah, j'étais trop. Non, c'est pas Monsieur Batou, c'est Monsieur Batou. Batou, pas bateau. Batou. Batou, Batou. Batou, Batou. Donc, tout nouveau maçon du cube, bah, vous êtes les premiers à le savoir en live. Hein, parce que je l'ai. Ouais, il est tout frais. Voilà. Il sort du frigo. Tout frais, tout neuf. Propre. Excellent viseur. Il a pas encore transpiré. Vous pourrez aller voir. Allez voir sur Planète Minecraft ce qu'il nous a fait, le Chococoys. Vous allez voir, c'est magnifique. Il pourra aller se laver uniquement quand il aura fini de construire l'Atlantide. Lil Gen 11, si tu me poses la question, tu sais ce que je fais tous les matins à 9h. Je suis mort de rire. Non, c'est mon heure.
pour aller aux toilettes du matin. Je suis arrivé comme ah une bon? horloge, ouais. Et je crois que je l'avais dit une fois en live, je sais plus pourquoi on parlait de... Oui. Du coup, Sinon, oui, lui l'a retenu. Ah, Waloui, il fait caca à 9h du matin. C'est du grand n'importe quoi. Alors, même du coup, j'ai les escaliers quand t'es par-dessus. Tu t'es couché à 8h, tu te lèves à 9h pour aller faire le caca. Bah, sauf exception, mais en général, bon. Faudrait que tu fasses un live de ça. Ah, ouais, je vais le faire en live. Attends, ça va être super live, intéressant. Le live de 9h. Et bonjour les amis, je viens. Allez, de non, en fait, tu prends que la tête, tu seras là. Non, je rigole. Ils vont tout savoir de ma vie. Non, non. Il y a beaucoup de choses, c'est du troll. Bien sûr. Qu'est-ce que je fais avec des champignons sur moi? Les champignons, ils vont. Il y a Profiter qui demande si on veut bien. On accepterait de dire nos prénoms chacun. Bah, si tu veux, hein. Moi, vous ne devinerez jamais. Bah, je m'appelle Mélanie. Sinon, sinon, c'est les gens qui devinent par rapport à nos pseudos. Ah, bah merde, c'est trop tard, j'ai dit. Oh. Ah, j'imagine. Bah, moi, c'est trop simple. Baptiste. Ah oui. C'est. Pour Don, c'est. Son vrai nom de famille, c'est Zetofray. Mélanie Zetofray. Ah C'est vrai? Non. Non, 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 mais tu, Mélanie, ses parents, alors là, comment ça, ils l'auraient trollé s'ils l'avaient appelé comme ça. Vous allez voir, là, les quelques stacks que j'avais, ils vont partir à une vitesse gastronomique. Astronomique, hein, pas gastronomique, mais... Des fois, je précise parce que je dis, mince, il n'y a pas que des grands qui nous regardent et... Des fois, c'est... Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est bien cool tout ça, dans la joie et l'allégresse. Dans la joie et l'allégresse, là, dis donc, là. Bon, d'accord. Les potes antillais. Oh, purée, samedi soir, ça a été dur. Parce que j'ai des amis antillais, ils ont fait péter le rhum. Mais pas que, on s'est fait un barbecue et il a sorti une gnôle. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a eu ce truc-là, mais une gnôle à base de prunes. Oh là 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 là, on a pris tellement cher. Oh, j'avais mal au papo, hein. Le lendemain, je peux te dire, dimanche, c'était dur. Oh, dimanche, c'était dur, hein. C'était très dur. Voilà, ça c'est cool. Encore un petit peu. Mon neveu. Voilà, super. Comme ça, quand on arrive ici, en fait, on voit pas derrière. Ouais, c'est très bien. Et on rentre ici, et hop, l'astuce, là, on peut rentrer dans la salle. Très, très bien. Très bien, c'est exactement ce que je voulais obtenir comme résultat de loin. Dan ? Attends. Elle est plus là. Hein, si, je suis là. Ouais, est-ce que tu sais pourquoi j'ai appelé mon âne Pedro sur l'écume ? Parce qu'il pète haut. Non. Parce qu'en fait, c'est sur les îles volantes, c'est pour éviter que les chevaux tombent. T'as pas compris? Parce que Pedrolan empêche la chute des chevaux. Des cheveux. Bon, allez, d'accord. Bon, c'est un peu nul, j'avoue, mais ça me fait. Ah, c'était trop bon, Pedrolan. C'est de la pub cachée, mais. On construit un palace. Oui, madame, oui. Alors ça, c'est bon, jusqu'à là. Donc celui-là, il est plein. Là, tout droit, ça y va, tout droit. Chisley. Tout droit, je me répète. Hop, et Chisley. On est bon, et là, par-dessus tout ça, il y a de la laine. Elle est LED? She's LED. She's LED. Okay. Yay. Yay. Yay, man. Black check, cool. Man. Là, je peux en mettre puisque ça sera du... Ça sera des escaliers. Et d'ailleurs, les escaliers, du coup, on peut continuer à faire notre petit tour. Ici.
pas là. Ah. Charles! Ah, Charles! C'est quand même vachement plus simple d'en haut. Hein. Ok, donc là on est bon, là on est bon, là on en a une ici, c'est bon. Voilà. Non, puis tu sais, quand je suis concentré. Quand t'es con. Centré. Donc là on est bon. Concentré de bonne humeur. Là on est bon. Et c'est là, pourquoi c'est. Ah oui, parce que. D'accord. Y est compris pourquoi. Y est compris pourquoi. Parce que là. Ouais, tout. Ok, c'est ça. Et donc là, ici, pan. Mais non! Dans l'autre sens, mon pépère! Ok! Ah bah voilà, là déjà c'est mieux. Là déjà c'est mieux. Et on repart de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà. Donc là, c'est bon. Voilà! Premier accès. Tranquille. Alors là, normalement, il y a une porte de 3, mais écoutez, on va en faire une petite. Combien font comme hauteur? Oh purée, elles sont grandes, les pop-portins. Ok. Et eh ben, tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, du coup, on va pouvoir attaquer la première façade. C'est pas bien d'attaquer les choses. Qui va être juste là. J'ai intérêt à faire la façade avant. Oui, de toute façon, les trucs là, ils sont simples. Enfin, ils sont simples. Tu vas te refaire la façade. Oh, oh, oh. Bon, ça va, hein. Purée, je sais pas ce que j'ai à avoir soif comme ça, mais c'est un truc de ouf. Attends, je vais t'apporter de l'eau. Est-ce que je peux montrer la photo de ce que je suis en train de faire? Oui, je peux la montrer. Non, ne la montre pas. Non, mais ils auront juste une petite image. Voilà. C'est ça que je suis en train de construire, les amis. Donc, vous voyez bien, là, vous voyez bien. Voilà. Bon, je construis à la louche. Alors, sur Mumble, il y a Aurélien Saba. Ouais. Valence Lorus. Ouais. Et. Ouais. Et. Aurélien Saba. Ouais. Ouais. Et Pilou Lelou qui est là. Chez Aurélien Saba. Ouais. Voilà. Sans oublier Aurélien Zama. Ouais. Et donc on était en train de faire notre petit palace en mode tranquillou. Donc ça c'est le premier étage, à savoir qu'il y a encore un autre étage encore au-dessus. Et un étage par-dessus l'étage. C'est ça. Alors du et coup l'étage sur un étage de l'étage tout au-dessus de l'étage de l'étage. Oh, attendez, je suis en train de réfléchir. C'est l'étagère quoi en fait. Voilà. Pour l'instant, j'en aurais pas trop besoin. J'ai mon mur qui repart par là. Et n'oublions pas Aurélien Saman. Ah oui, évidemment. J'ai une autre colonne qui revient là. J'ai tout ce qu'il faut. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. On va se la faire tout de suite. La colonne à son pépère. Ouais, la colonne. Ouais. C'est qu'en fait, pas les mettre comme ça, mais les mettre comme ça. Non, ne les mets pas comme ça. Tu devrais plutôt les mettre comme ça, tu vois. Attends. Ah, ou comme ça, à la limite. Ce n'est pas comme ça. Je dirais plutôt comme ça. Ça serait peut-être mieux, non? Ouais. Ouais, je sais pas. Pas convaincu. Vous êtes une aide incroyable, mec. Il pourra pas comme ça. T'as remarqué aussi? Ah ouais, par contre... comme ça, t'es un peu mieux, non? Attends, juste... Hein? Oui, non, c'est super. Bon, un tout petit spoil, les amis, un micro spoil. Elena, monte ta tête, Elena. Voilà. Un tout petit spoil d'un épisode de l'architecture de Minecraft que je suis en train de préparer. Donc, pour ceux qui ont vu Elena, ma fille, qui joue du piano. Ouais, ça fait un peu mieux, hein, quand même. Ça fait plus joli. Donc, j'ai mis un escalier en de quoi, sa tête ? Ouais. C'est pas ses cheveux naturels. Hein. C'était pas Nina là, c'était. Enfin, il y avait Nina à côté, mais là c'était Elena qui. C'était Matchot et les nanars. Donc là on est bon, là on est bon. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit sur sa vie amoureuse hier sur Twitter? Non. Non.
Malheureusement. C'était pour le troller. Enfin, on dit non, mais ça se trouve, c'était vrai. Ah, qui sait. Non, Rima Judd, non, c'était pour le troller. Non, et puis bon, c'est plus un secret pour personne, hein. Auré, il aime pas trop les filles. Hein. Je préfère les frites. Non. Je préfère les pêcher. Je préfère les femmes. On les frites. Eh oui, c'est bon, les frites. J'ai un creeper, non mais oh, ça va pas, non? Il est fou, lui. Il y a un problème dans mon... Ok, dans ça... Creeper qui... Ça voilà. Marche pas, cette commune. Et puis c'est tout. Ok, donc ça c'est bon. Si ça va être sympa... Oh, ça va être sympa. Avec en plus, derrière, il va y avoir tous les fonds bleus derrière les arcades blanches, immaculées. Oh, si, ça, ça... Ça va être bio. Ça va être bio, les amis, ça va être bio. Ok, donc, en plus, il est vraiment marrant, ce bâtiment-là. C'est un mélange de baroque et de thaïlandais. C'est assez space, mais c'est assez sympa. Alors, du coup, il faut faire l'autre façade qui est derrière. C'est quoi comme restaurant, le baroque? C'est un art, le baroque. C'est comme l'art roman, l'art gothique, l'art baroque. Ouais, ou même de l'artichaut. Oh, oh, oh. Et voilà, bon, on se retrouve, les amis. Alors, à savoir hein, que je vous ai mis, en fait, il y a 6 heures de live en compressé. Évidemment, je vous ai pas mis tout le temps que j'ai passé soit dans le Nether pour récupérer du quartz, soit dans le biome, mais ça, donc où j'ai récupéré beaucoup de stènes et de clé, hein, parce qu'il va m'en falloir pas mal. Alors effectivement, hein, donc bon, on va y aller tranquillou, hein, tranquillou. Alors donc, Tagada il est là, super, bon, on va même y aller à cheval, comme ça, ça va vous rappeler le début de l'épisode avec la petite chanson. Donc du coup, on va retourner là-bas, et on va pouvoir continuer la suite des opérations. Alors en fait... Sur cet épisode, hein, je voulais vraiment que vous soyez pas trop perdus. Hein, c'est vraiment la raison pour laquelle je vous ai mis tous ces petits bouts de live. À imaginer qu'en fait, je me suis reconnu les 6 heures de live en visu. Purée, hein, je vous ai mis vraiment des petits passages et surtout les petits passages où j'étais en train de construire. Donc, pour expliquer la suite des opérations. Donc ici, vous avez une tour avec un toit thaïlandais qui va venir. Donc là, vous avez le bâtiment central, en fait, qui est là, hein, la tour centrale, on peut dire, avec, il va y avoir une pointe qui va monter très très haut, donc un toit thaïlandais. Hein, c'est vrai que le bâtiment est assez baroque, hein, sauf tous les toits sont thaï. Et donc, c'est pour ça que c'est assez sympa. Et donc ici, en fait, vous avez la même chose, c'est-à-dire que là, on est vraiment au centre du palace, et toute la partie qui sera là, bah, il y aura exactement la même chose de l'autre côté. Alors par contre, comme je le disais, bah évidemment, ça va être plus grand que ce que j'avais prévu, donc ça veut dire, qu'il va falloir que je m'amuse, à boucher et à refaire tout le terrain qui est là. Et d'ailleurs, je me suis dit, bah tiens, du coup, bon, c'est un petit peu rébarbatif. Hein, je vais pas vous faire 10 minutes de bouchage de terrain, surtout qu'à mon avis, j'en ai pour beaucoup plus longtemps que ça. Hélas. Donc en fait, bah du coup, ce qu'on va faire pour conclure cet épisode, eh ben on va s'amuser à faire du terraforming et faire la continuité du terrain en timelapse. Ouais, on est des dingues. Hein, donc petite précision, hein, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont remarqué. Hein. Vous avez peut-être un tout petit peu moins d'épisodes sur ma chaîne. Mais par contre, si vous avez remarqué, vous avez une qualité beaucoup plus importante, hein, c'est-à-dire que depuis quelques temps, je retouche toutes mes vidéos, c'est-à-dire que je passe un temps énorme à retoucher tous les sons pour plus avoir des bruits de fond, etc. Donc je passe 2 à 3 fois plus de temps, en fait, à monter mes épisodes. Parce que bon, je suis en train de faire de YouTube et du streaming mon métier, hein. Donc du coup, je me suis dit bon bah autant faire les choses bien et donc proposer une qualité d'épisode beaucoup plus importante, même si effectivement j'y passe beaucoup plus de temps, mais pour votre plus grand plaisir. Alors c'est parti mon kiki, on attaque un petit timelapse, donc tout le terraforming qui s'attaque ici. Allez, c'est parti mon kiki. Thank you.
Et voilà, les amis, elle est sympa, la petite musique hein, que je vous ai mis pendant le petit time-lapse. Ah, donc, c'est une musique qu'a composée ma fille pour moi. C'est-il pas mignon? Hein, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. En plus, vous allez voir, elle a fait un montage assez sympa. Elle a fait un montage vraiment très sympa où on nous voit hier, elle a des petits moments en vacances et tout. Enfin, vous allez voir, j'étais très très touché. Donc, elle me fasse cette petite vidéo. Voilà, bon, en tout cas, le terrain est prêt. J'aurais plus qu'à rajouter de la stone brick jusqu'au bout pour pouvoir continuer ce palace. Hein, donc, mais ça, on va avancer considérablement, surtout dans les prochains prochains. Parce que je vous réserve une petite surprise. Vous verrez. Voilà, en tout cas, les amis, pour aujourd'hui, ben, c'est fini. Alors, je vous fais à tous de super gros bisous. Prenez bien soin de vous. Hein, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Holy Cube. À bientôt, les amis. Salut.